Dieu le donne à ses amis dans le sommeil. Ces personnes font partie du chemin néo-catéchuménal, une communauté chrétienne née il y a 40 ans en Espagne. Pour qu'ils puissent se réunir, deux nouvelles salles seront construites ici. Au lieu de poser une première pierre, les personnalités politiques scellent un parchemin pour marquer le début des travaux. Nous sommes environ 200 adultes à faire partie de cette réalité, 200 adultes, donc nous avons besoin de salles. Nous célébrons en semaine des célébrations de la parole, en petits groupes d'une quarantaine de personnes, 30-40. Donc nous avons vraiment nécessité d'avoir des salles qui se prêtent aux célébrations de la parole, aux différentes communautés qui puissent se réunir. Ces deux nouvelles salles seront utiles à de nombreuses activités. Elles vont servir pour tout ce qui est pastoral de la paroisse, aussi pour pouvoir permettre le cheminement des communautés néocatéchuménales sur la paroisse, mais en plus de ça, sous l'égide de l'association dont je suis président, pour faire différentes activités culturelles, associatives. Elles vont servir aussi aux réunions, s'il y a des gens qui ont besoin de salles pour faire des repas, des choses comme ça. Les travaux sont subventionnés par le conseil départemental et la ville de Mulhouse, mais surtout grâce aux dons des fidèles. Beaucoup de paroissiens qui profitent de cette paroisse se sont rendus compte de la nécessité d'avoir de belles salles pour pouvoir célébrer la parole et les Eucharisties de manière belle et festive, et ont vu l'importance aussi d'aider, de contribuer en donnant un peu de leur argent. D'après le maire de Mulhouse, c'est un projet structurant pour la ville. Et un projet ici d'une paroisse qui... un vrai projet à la fois social, un projet religieux, un projet d'implantation dans le quartier. C'est quelque chose d'important. Et pour moi, il y a aussi une importance d'équilibre entre les différents cultes au sein de la ville. Et comme je le disais à l'instant, que l'Église catholique augmente le volume, se fasse entendre, prenne position, eh bien c'est important. Monseigneur Dolman a présidé la messe à l'église Sainte-Thérèse. Il a ensuite béni le lieu qui va accueillir la construction. Vous savez, pour moi, ici à Mulhouse, il y a à la fois cet appel à faire vivre les communautés chrétiennes et puis aussi à vivre dans le même élan le dialogue avec les autres communautés religieuses. Et je pense plus on manifeste notre fierté d'être chrétien, plus on est capable d'entrer aussi en relation avec les autres. Et c'est bien un des éléments importants de notre pastorale dans le diocèse qui est beaucoup engagé dans le dialogue œcuménique comme interreligieux. Des événements pourront être célébrés dans les nouvelles salles dès novembre.